Bonjour Cathy, comment vas-tu? On dirait que tu as très froid. Tu es sûre que tu devrais être dehors par ce temps? Ton moteur pourrait geler. Oh non, Cathy, je crois que ton moteur a vraiment lâché. Nous devons te trouver de l'aide avant qu'un blizzard ne se lève, Cathy. Troy, Dieu merci, tu es là. Le moteur de Cathy est gelé et nous avons besoin de quelqu'un pour l'aider à bouger avant que le blizzard n'arrive. Tu peux l'aider? On revient tout de suite, Cathy. Bonjour, Teddy. Nous avons besoin de ton aide. Le moteur de Cathy a gelé. Nous devons la sortir de la neige avant que le blizzard n'arrive. Tu peux trouver un moyen de la sortir de là? Génial. Une dépanneuse? Parfait. Bravo, Teddy. Retournons là-bas avec notre conteneur pour aider Cathy. Oh non, Troy, je peux à peine voir Cathy avec cette neige. Oh, regarde, la voilà. Vite, ouvre ton conteneur et laisse notre ami de Car City aider Cathy. Oh Dieu merci, c'est Tom la dépanneuse. Il saura quoi faire. Allez Tom, tu peux le faire. Très bien. Tom, penses-tu pouvoir remplacer le moteur de Cathy sous ce blizzard? C'est une bonne idée, Tom. Troy, si tu pouvais faire office de bouclier contre la neige, Tom pourra rapidement changer les pièces de Cathy. Voilà, Cathy. C'est terminé.
Essaye de démarrer ton moteur. Parfait, Tom. Bravo. Troy, comment ça se passe de ton côté? Oh, pauvre Troy. Bravo d'être resté immobile dans cette terrible tempête de neige. Je pense que tu devrais aussi démarrer ton moteur avant qu'il ne gèle. Très bien. Excellent travail, les amis. Maintenant, partons vite, avant que ce blizzard ne vous emporte. Faites attention avec cette neige. Et à la prochaine. Troy, le train. J'ai l'impression que tu t'amuses bien, Troy. Tu te rends au village? Oh mince alors! Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Il y a des ordures partout! Bonne idée, Troy! Nous devons aller chercher un ami à Car City pour nous aider! Tu es content de rencontrer un nouvel ami? Il nous faut un véhicule qui puisse ramasser toutes ces ordures. Lequel peut nous aider, Troy? On dirait un camion poubelle. Parfait! Il va pouvoir nous aider à nettoyer tout ce désordre. Amenons-le à la gare pour l'assembler. D'accord. Allons-y. Il faut d'abord décharger les pièces. Il nous manque quelque chose, Troy? Bien sûr! Il nous faut une fourche pour ramasser les sacs poubelles! Bonne idée! Regarde! Il est en train de prendre forme! Bonjour, camion poubelle. Nous sommes ravis de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Gary? Bienvenue à Car City, Gary. Troy, le travail de Gary est de ramasser les ordures et de les amener loin d'ici. Il fait en sorte que tout soit propre. Troy a raison, Gary. Nous avons le travail idéal pour toi. Il y a beaucoup de désordre au village. Allons-y!
Tu crois que tu peux nous aider à ramasser tout ça, Gary? Utilise ta fourche pour prendre les sacs. Oui, comme ça. Beau travail, Gary. La rue est tellement plus propre maintenant. N'oublie pas le dernier sac là-bas. Waouh! Merci beaucoup, Gary. Tu as fait un excellent travail. Au revoir, Gary. À la prochaine. Au revoir, les amis! À bientôt! Troy le train. Bonjour, Troy. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Cette voiture a l'air d'avoir un problème. Que se passe-t-il, Tom? Oh, Jérémy n'a plus d'essence. Tu n'en as pas pour lui? Tu as raison. Nous devons aller à l'entrepôt chercher un nouveau véhicule pour aider Jérémy. Tenez bon, les amis. Nous allons revenir avec de l'essence. Très bien. Allons rencontrer notre nouvel ami. Quel véhicule pourrait aider Jérémy avec son problème d'essence? Un avion? Un bateau? Un camion-citerne? Excellent choix! Un camion-citerne aura toute l'essence dont Jérémy a besoin. Voilà le conteneur. Amenons ce camion-citerne à Tom et Jérémy. D'abord, il faut décharger les pièces. Waouh! Regardez-moi ça! Bonjour, camion-citerne! Comment t'appelles-tu? Tyson, enchanté de faire ta connaissance. Bienvenue à Car City. Tyson, nous avons du travail pour toi. Notre ami Jérémy n'a plus d'essence. Peux-tu lui en amener et remplir son réservoir? Génial. Allons-y. Ok. Raccorde ton tuyau au réservoir de Jérémy et commence à pomper. Parfait.
Super travail, Tyson. Remplissage en cours. C'est bon, son réservoir est plein. Au revoir, Jérémy. Bonne route. Que se passe-t-il, Tom? Tu as besoin d'essence pour la réserve d'urgence de ton garage? Tyson, peux-tu remplir un bidon d'essence pour lui? Super! Au revoir, Troy. À la prochaine fois. Ces châteaux de sable sont super, les amis. Ça va être difficile de trouver un gagnant, hein, Troy? Wow! Félicitations! Et maintenant, la partie amusante, il faut les démolir. Bravo! Pourquoi tu ne démolis pas le tien, Christopher? C'est du béton? Oh mon Dieu! Comment allons-nous remettre la plage en état? Dis-moi, Troy, tu pourrais construire un nouveau véhicule qui pourrait nous aider? Excellent! Allons rencontrer notre nouvel ami. Bonjour Teddy, on doit démolir un château en béton. Aurais-tu un véhicule pour nous aider? Bonne nouvelle. Commençons. Lequel devrions-nous construire? Celui-ci. Et celui-là. Excellent. Ok, Troy, retournons à la plage. Bonjour tout le monde. On a ramené quelqu'un pour nous aider. Ah, Lila. Ne sois pas triste, Christopher. Tu pourras toujours construire d'autres châteaux, mais en sable cette fois-ci. Déchargeons d'abord les pièces. Oh, c'est une grue de démolition. Parfait. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Il manque quelque chose? Ah, bien sûr. Il a besoin de sa boule de démolition. Et voilà. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Dane, bienvenue à Car City. Dane, on a un travail pour toi. Tu peux nous aider?
Super, on va tout démolir. Il te suffit d'utiliser ta boule de démolition. Waouh, c'est génial, Dane. Regardez comme il y va. La plage est de nouveau parfaite. Tu nous as vraiment sauvé la mise. Bien joué, Dane. Tu as bien travaillé aussi, Troy. À bientôt. Au revoir, les amis.